Il est 15h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce lundi 19 août 2024. Voici les titres. Le gouvernement modernise les infrastructures routières, notamment dans la région d'Alissébié avec l'ouverture du tronçon Doudoubalélé. Alissébié, en Turquie, près de 4000 personnes ont été évacuées à cause des feux. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La région Assadjogo, tout comme le reste de la région et le monde sévèrement touché par les effets dévastateurs du changement climatique, est aujourd'hui à la scène d'une véritable renaissance écologique. Aujourd'hui, une transformation qui est le fruit d'une ambitieuse initiative de réforestation et qui redonne espoir à toute une communauté. Lancé il y a quelques temps sous le nom de Assadjogo Vert, ce projet d'envergure vise donc à restaurer la couverture forestière de la région en mobilisant un éventail d'acteurs locaux. Autorités locales, entreprises, associations et citoyens ont tous uni leurs forces pour mener à bien ces opérations de plantation d'arbres à grande échelle, marquant ainsi un tournant décisif dans la lutte contre la dégradation environnementale. Les résultats de cette initiative commencent déjà à se faire sentir à Assadjogo. Non seulement le paysage de la région est en train de se transformer, mais la biodiversité locale, longtemps menacée, montre des signes encourageants de reprise. La renaissance Assadjogo ne se limite donc pas à une simple réforestation ou des plantations d'arbres. Elle symbolise également le renouveau d'un écosystème entier rendu possible grâce à l'engagement et la détermination collective de tous ses habitants, notamment le préfet de la région Assadjogo, en l'occurrence M. Abdulmalik Mohamed Banoïta, qui nous a donné donc une interview peu après cette déforestation. Que ce soit dans les sous-préfectures. Panamski Gedberista, Menwanaxen, Ayono Maria. Toujours à Alissébié, cette fois-ci, il s'agit des infrastructures routières. Le gouvernement donc modernise ces infrastructures routières. Les détails avec Fardous Hussein. Le gouvernement modernise les infrastructures routières. Si la route du développement passe par le développement de la route, le gouvernement djiboutien en a pleinement saisi l'importance en modernisant les infrastructures routières. La récente finalisation des travaux de réhabilitation de la route nationale 5, spécifiquement le tronçon Doudoubalélé à Alissébié, illustre magnifiquement cette détermination, une réalisation qui en est bien plus qu'un simple projet de construction et qui aujourd'hui symbolise une vision audacieuse pour l'avenir du pays. La route menant à la région d'Alissébié, désormais bitumée, ouvre de nouvelles perspectives économiques et sociales pour la région. Les habitants d'Assadjogo, autrefois confrontés à des voies impraticables, bénéficient maintenant d'une accessibilité accrue, facilitant leur quotidien et stimulant le commerce local. Eh bien, notre équipe de reporters ont pu interviewer donc Monsieur Hassan Ahmed Abdi, l'ingénieur donc Hassan Ahmed Abdi, c'est le directeur général de la société Al Nasra qui donc a réalisé la réhabilitation de ce tronçon routier donc liant Alissébié à Doudoubalélé. Voici ses propos. Les projets de réhabilitation du tronçon Doudoubalélé à Alissébié de RN5 consistent le renforcement de la couche de fondation suivi d'une couche de base de 20 cm. Et enfin, il y a eu une couche de béton bitumineux de 5 cm. Et il y avait aussi des ouvrages hydrauliques, quelques ouvrages hydrauliques dans ces projets.
Je voudrais aussi une dernière fois remercier la population de l'Issébier et son préfet, M. Abdelmalik, qui nous ont soutenus tout au long du projet. Je voudrais aussi signaler que pas mal de jeunes ont profité de ces projets, des jeunes de la région, qui a servi aussi à un transfert de savoir-faire tout au long du projet. Et pour sa part, le préfet de la région d'Al-Issébier, M. Abdelmalik Mohamed Banouita, a indiqué que cette route symbolise bien plus qu'un ruban de bitume. Elle incarne, a-t-il précisé, l'ambition collective du gouvernement à faire de la région d'Al-Issébier, tout comme les autres régions de l'intérieur, des collectivités de développement à part entière. Écoutons les propos de Banouita. La région d'Al-Issébier s'est développée. Si on parle par secteur, le plus important, je pense, que c'est l'accès. Quand on parle de l'accès, tout développement dépend de l'accès. Et on avait des difficultés dans cette région. Pour venir dans cette région, il y a une portion de route qui était dégradée depuis plusieurs années. Et l'État a mis le moyen. Et ce qui est encore original, sur fonds propres, en attendant des financements qui sont sollicités, les 7, voire 7 à 8 kilomètres qui étaient vraiment dégradés, a été réalisé grâce au DPCR, que je salue par l'occasion. Et ce qui est encore original, c'est une entreprise nationale qui a réalisé ces œuvres. Donc c'est 100% je vous tiens. Et c'est une fierté aujourd'hui d'avoir des entreprises, et c'est dans le cadre aussi de la politique du gouvernement, d'encourager l'entrepreneuriat. Donc ça va dans ce sens. Et ça montre que les qualifications existent, que nos jeunes sont capables, à la tête de cette entreprise, c'est un ingénieur qui est Jouboussien. Donc, il y a le transfert qui s'est fait de petit à petit et c'est une fierté pour nous que ce soit réalisé par une entreprise nationale, d'ailleurs, qui continue dans le même sens. Et voilà qui nous ramène de parler de Salam African Bank, la première banque donc, qui investit des infrastructures donc, dans notre pays. Les détails dans cette séquence. Le groupe Salam a consenti jusqu'à aujourd'hui près de 140 milliards de nos francs dans plusieurs projets. Mais le plus grand projet d'investissement restera sans nul doute l'extraordinaire projet immobilier intitulé Salam City. Un projet de développement urbain de Salam Real Estate. Une première à Djibouti. Il s'agit d'un ambitieux projet de construction de 7496 logements dans la zone des Nagad sur une superficie allouée de 242 hectares pour une période de 7 ans. Dans un contexte de déficit en logement où le gouvernement multiplie les initiatives pour relancer les secteurs de l'aménagement et de la construction en favorisant l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles ou intermédiaires, divers projets ont été déjà réalisés dans ce sens. Les projets de Salam City, issus donc du secteur privé, tombent à point nommé pour appuyer les autorités dans leurs efforts pour venir à bout au manque de logements. Salam African Bank va investir près de 85 milliards de nos francs pour concrétiser ce projet. Une volonté de cette institution qui a une longue expérience dans le secteur immobilier qui s'aligne sans conteste avec la détermination du président de la République qui multiplie les stratégies visant à renforcer l'accès à un logement abordable à tous les Djiboutiens. C'est tout l'esprit des Salam City, dont l'architecture sera innovante, un environnement qui prenne en compte les conditions de notre climat et des matériaux de construction qui résistent aux caprices du temps. Alors, que représente Salam City? De quel type de logement s'agit-il? Les éclaircissements avec le directeur général de Salam African Bank. Ce projet n'est pas un projet de simple logement. Ce que nous construirons, c'est une ville, une nouvelle ville. Nous ne voulons qu'elle soit comme une cité, mais une ville moderne qui dispose de toutes les infrastructures et équipements.
qu'il s'agisse des infrastructures commerciales, enseignement, aires de repos ou de jeux pour les enfants, un site où la communauté se rencontre, etc. C'est inclusif, tout doit y être, en tout cas, tout ce qui est essentiel pour les habitants. Les gens n'ont pas la même capacité financière et c'était important pour nous de prendre en compte cet aspect et faire en sorte que ces projets répondent à tous les budgets. Nous accordons la plus grande importance aux ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ils sont prioritaires pour nous. Les maisons que nous construirons vont de type F2 à F4. Il y aura également des duplex et des appartements. Tout le monde y trouvera son compte selon ses moyens. Il fallait qu'on mette en avant l'aspect humain et accorder des facilités dans la procédure d'acquisition. C'est pourquoi la particularité de ce projet, c'est qu'habituellement nous proposions des financements sur 7 ans, mais cette fois, nous avons abandonné cette pratique et prolongé ce délai à 15 ans. Nous avons également fait de grands efforts pour réduire les coûts et mettre à disposition des Djiboutiens des logements abordables. Hagi Maashk, Ayano Wahano Samayna Inano Aad Hwasukuda Adeino. Avec ses gigantesques projets, Salam Group cherche à révolutionner l'accès au logement. D'abord par des prix abordables, ensuite en mettant en place tous les équipements nécessaires pour rendre la vie plus facile aux futurs habitants de Salam City et enfin en faisant de l'inclusion sociale le socle de ce qui ressemble aujourd'hui plus à une nouvelle ville qu'un grand quartier. Un tel projet a nécessité des préparations très poussées en amont. Ses impacts sur l'aménagement urbain seraient conséquents. Il a fallu tout paramétrer pour accueillir ces vastes projets au niveau du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce projet est réalisé dans une zone qui a été d'abord identifiée dans les schémas directeurs que vous voyez ici. Et justement, la zone, elle est là. C'est une zone qui est identifiée dans cette... C'est une zone justement qui a été identifiée dans le cadre des schémas directeurs. Lequel schéma directeur a été suivi par ce qu'on appelle les plans d'aménagement urbain. À ce moment-là, c'est des plans opérationnels qui descendent à une échelle beaucoup plus opérationnelle. Les 242 hectares qui sont destinés à l'accueil du projet de Salam Bank étaient prévus dans le cadre de ce plan d'aménagement urbain. C'est pour vous dire, c'est un projet qui s'intègre dans le cadre non seulement des schémas directeurs, mais aussi dans les plans d'aménagement urbain de la zone de Nagad. En quoi ça constitue justement un projet d'envergure? C'est un projet d'envergure déjà de par sa superficie qu'il va couvrir. 242 hectares, c'est un projet vraiment, vraiment important. Mais aussi par le nombre de logements qui y sont prévus, exactement 7496. Mais au-delà du nombre de logements qui seront construits dans ce projet, dans le cadre de ce projet, il y aura des retombées économiques et des retombées sociales, mais aussi en matière de développement urbain, ça permettra justement de transformer le visage et la ville et notre capitale. Les retombées seront donc détaillées. D'abord sur le plan de l'emploi. Pour construire 7496 logements et les infrastructures qui vont avec, il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Selon les prévisions de Salam Real Estate, il ne seront pas moins de 2000 employés par jour. S'il faut construire à temps et aux normes, une prévision partagée par le ministère du Travail. Ce projet va créer aux alentours 2000 emplois quotidiens. Et comme vous le savez, dans le secteur de construction, il y a toute une chaîne. Il y a plusieurs métiers, que ce soit commence de l'ingénieur jusqu'au coulis. Donc il y a des spécialités comme le plombier, l'électricien, le maçon, les charpentiers. Il y a tous ces métiers qui vont être utilisés. Il y a aussi d'autres secteurs qui vont être touchés parce que ça va être confié aux entreprises locales pour la réalisation de ce logement. Ce qui va impacter l'économie aussi, les entreprises du secteur du bâtiment qui vont réaliser ces projets. Il y aura aussi une création d'emplois indirects car aux alentours des chantiers, tous ces hommes que vont travailler sur le chantier, ils vont avoir besoin de la nourriture, des boissons, de l'eau pour se rafraîchir. Et il y a tout ça qui va accompagner les chantiers. Donc c'est les emplois indirects. Nous le disions au début du reportage, Salam African Bank a investi à ce jour près de 140 milliards de nos francs. Salam City va nécessiter à elle seule environ 85 milliards de francs djibout. Autrement dit, plus de la moitié de tous les investissements jusqu'à aujourd'hui.
Plus qu'un simple projet de logement, le chantier va avoir des retombées significatives pour l'économie nationale. Pour le directeur de la MPI, le secteur du bâtiment va tirer de l'avant la croissance économique, attirer d'autres investisseurs et contribuer au développement du pays. Comme on le dit en général, quand le BTP va, toute l'économie va. C'est l'épine dorsale de l'économie, les BTP, les bâtiments et les travaux publics. Et en ce sens, ce projet d'envergure des Salam Group va donc entraîner l'économie nationale et les placer encore plus sur un sentier positif. C'est une initiative d'envergure et qui va impacter mais conséquemment l'économie nationale et les paysages même du travail. Toujours, le groupe Salam Bank, leurs projets d'investissement, c'est des projets d'investissement intégrés et qui prennent en considération toutes les composantes répondant à la vie, aux exigences de la vie basique. Salam City aussi, en termes de real estate immobilier, nous a déjà soumis un projet d'hôtels de classe internationale 5 étoiles et dans la maquette, je pense, et en finalisation. Pour Salam African Bank, l'objectif est double. L'impérieuse nécessité de faciliter l'accès à la propriété pour épargner les Djiboutiens de la lourdeur des coûts d'acquisition. Et ensuite, c'est d'ailleurs le slogan officiel, bâtir une économie prospère et durable avec Salam City. Et en nouvelle du monde, une frappe meurtrière à Gaza, Blinken en Israël pour des négociations. Une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza assiégée a tué au moins 18 personnes, toutes de la même famille. Là, cette frappe aérienne a touché une maison et un entrepôt adjacent, abritant des personnes déplacées dans l'entrée de la ville de Zawaïda, selon l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Dar al-Balah, où les victimes ont été transportées. Le ministère palestinien de la Santé avait fait état de la mort de deux Palestiniens dans le bombardement de leur voiture à Jénine. Selon l'ONU, des milliers de Palestiniens ont dû partir précipitamment sans avoir où aller au milieu de la mort et de la destruction après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour des secteurs de Dar al-Balah et Khan Younes. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est envolé dans la nuit d'hier à dimanche pour Israël dans le cadre d'une nouvelle tentative de Washington de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Et en Turquie, je vous le disais en titre, 4000 personnes évacuées. Près de 4000 Turcs ont été évacués à cause de feux de forêt sévissant autour de 4 villes dans des provinces de l'ouest de ce pays, indiquent les autorités compétentes. Au total, c'est 131 incendies qui ont éclaté au cours de la semaine, qui s'achèvent dans des forêts, dans des zones agricoles situées à proximité de la ville d'Izmir, d'Aydin, de Boulou, de Mougla et de Manissa. Selon le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Youmaki, il a fallu procéder donc à l'évacuation de 17 immeubles dans ce pays. Et pour finir, l'Irlande élabore un code de déontologie pour les médias sociaux. En Irlande, le gouvernement menace de tenir les dirigeants des entreprises et des médias sociaux personnellement responsables en cas de retard dans le retrait des contenus haineux et hostiles des plateformes numériques. Cette commission irlandaise des médias élabore un code de déontologie visant à rendre des entreprises des médias sociaux plus vigilante quant à la suppression des contenus préjudiciables ou diffamatoires en ligne. Le code devrait être adopté dans les prochains mois et les entreprises pourront se voir infliger des amendes de plusieurs millions d'euros en cas de non-respect de l'éthique proposée. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.